Bonjour à tous, c'est Chandler Fairville et aujourd'hui, bienvenue dans une vidéo un petit peu spéciale. Avant de vous raconter mon voyage en Égypte, j'aimerais vous présenter rapidement le matériel que j'ai utilisé sur place. Tout d'abord, mon nouveau stabilisateur, le Ronin. Non, ce n'est pas le Ronin. C'est le Zion Crane 2. Mon nouveau stabilisateur que je n'ai pas utilisé. Je le présente donc, mais ça sert à rien. Il m'a pris plus de place qu'autre chose. Parfois, vous avez des boulets que vous trimballez. Ben là, c'est pareil. C'est comme ça. Ensuite, une batterie externe. Très, très important lors des voyages. Utile pour recharger votre téléphone, notamment pour utiliser avec votre drone. En l'occurrence, en Égypte, nous allons voir que le drone est interdit. Cette batterie externe ne sert donc qu'à recharger mon téléphone que pour utiliser mon téléphone. C'est plutôt utile quand même. Je vous conseille. La GoPro, votre fidèle compagnon de voyage, très, très utile. Notamment si vous voulez ne pas emmener votre caméra dans des endroits qui peuvent craindre, comme la piscine, ou encore sur du cheval, puisque ça bouge le cheval. Donc essayez de prendre votre caméra avec votre cheval qui va très très vite, et croyez-moi, c'est très dur. Également, les batteries GoPro qui vont avec, très très utile d'en avoir plusieurs. Mais surtout, ne faites pas comme moi, prenez un câble pour les recharger, sinon vous n'en aurez qu'une. Je suis un con, mais c'est comme ça. Le Macintosh de dernière génération, le plus rapide qui soit, avec ces disques durs, notamment pour dérusher les grandes quantités de films que vous aurez à dérusher, c'est QFD, mais également pour commencer votre montage sur place. Vous pourrez ainsi gagner du temps. Très utile. Rajoutez à ça une bonne quantité de cartes SD. Allez-y. Prenez-en. Comme ça sera toujours utilisable si jamais vous êtes à court de cartes SD. Ça aussi, ça a du sens, je sais. Mais il fallait que je le précise. N'oubliez pas avec ceci votre micro. Très utile pour la captation de son, éviter le vent et tout est cointé. Cependant, ne faites toujours pas comme Chandler et allumez-le si vous voulez faire des interviews. Ça peut être très utile pour capter le son. Enfin, mon fidèle acolyte que j'ai depuis un an, le GH4 de Lumix Panasonic avec son 1260 intégré, avec les batteries qui vont avec. À cela, j'ai ajouté mon Sigma 18-35, un bon objectif qui fait et photo et vidéo, avec de très bons bokeh, comme vous pouvez le voir sur cette image. Voilà, c'est très simple et le combo est plutôt pas mal. À ça, quand il y a trop de soleil, vous pouvez y rajouter des filtres ND. Les filtres ND sont très utiles, notamment quand il y a énormément de soleil, si vous voulez garder votre bokeh. Mais je vais pas vous faire un cours sur les filtres ND. Pour ça, allez voir mon ami Olivier Schmitt. Et enfin, le drone, ce bijou, de plus en plus inutilisable dans certaines zones, notamment en Égypte. Près des pyramides, ça aurait été tellement stylé de faire un beau travelling. Je sais pas comment certains ont fait, ils ont certainement eu une dérogation. Mais moi, je ne voulais pas finir en tôle durant les 15 prochaines années. Du coup, je l'ai laissé à la maison, sous bon conseil. Vous pourrez regarder sur ma chaîne YouTube les 4 prochaines vidéos qui vont suivre. Ça parlera donc de différents sujets, de différentes villes. Et j'espère que ça va être assez sympa à voir. Mon prochain voyage, c'est en septembre en Syrie. Je vous donne rendez-vous là-bas. On va essayer d'aller voir ce qui se passe de plus près. D'ici là, je vous laisse vous abonner. Et je vous la souhaite bien bonne. Allez, ciao, ciao! Non, ça, c'est Alexandre Gigot. Je copie, j'en ai rien à foutre. Allez, ciao, ciao!